tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. On se retrouve sur Air Factor 2 aujourd'hui pour un championnat que j'attendais depuis de nombreux mois. Le mode Flat 6 by Endurecers sort pour Air Factor 2. Alors c'est un mode qui reprend nombreuses des voitures, des skins surtout, de Porsche Super Cup à travers le monde. On va citer l'Angleterre, la France, l'Italie, le Japon et j'en passe. Et sincèrement, c'est un mode sur lequel j'ai passé de très nombreuses heures sur Air Factor 1. Et j'étais très heureux d'enfin le retrouver dans sa version 1.0 sur Air Factor 2. On va parler rapidement du modèle de voiture, parce que ce sont toutes des voitures identiques, évidemment. Donc ce sont des moteurs de 3,7 litres développant 450 chevaux. Des boîtes à palettes 6 vitesses, évidemment, pour un poids d'à peu près allez, une tonne 2. Et voilà, et j'attendais réellement ce mode parce que j'y ai passé tellement de bons moments que je me suis dit vivement qu'il arrive sur Air Factor 2 pour profiter d'un truc, c'est la pluie. Parce que oui, vous savez que la Porsche Cup, si vous voulez regarder, alors ceux qui suivent pas le championnat du monde de Porsche Cup, ça se passe le dimanche matin des week-ends de Grand Prix de Formule 1 en grande partie. C'est diffusé sur Eurosport si je ne dis pas trop de bêtises. Et généralement c'est aussi fun, si pas plus disputé que du touring car, tellement les voitures sont proches, évidemment sont toutes les mêmes, donc c'est les pilotes qui font la différence. Petit hommage en au passage ici à Sean Edwards. On est donc sur le circuit eh bien de Kuala Lumpur, évidemment c'est Pang, la Malaisie, et sa météo aussi indécise que Spa-Francorchamps quasiment. Et je me suis dit, allez, on va tenter le coup de partir avec des pneus pluie et une piste changeante. Et j'ai pris un pied, les amis. Mais alors, monumental. Bonjour monsieur. J'ai pris un pied monumental. Vous passez 90% du temps à contrebraquer en survirage avec votre voiture qui perd l'adhérence. Et voilà, et c'est là qu'Air Factor 2 se distingue de pas mal de simulations en fait. C'est que vous avez vraiment dans le volant la précision de savoir quand votre voiture va décrocher. Et ça c'est vraiment excellent. Vous comprenez très bien votre voiture avec le retour de force et vous pouvez doser parfaitement à la pédale et au coup de volant votre voiture. Donc là on est en Malaisie sur une piste très humide qui va sécher, qui va changer un petit peu de comportement et de conditions. Sachez qu'il n'y a pas d'assistance, donc voilà, ce sont des voitures où il faut gérer le talon pointe. Il n'y a pas d'embrayage automatique, il n'y a pas d'ABS, pas de traction control. Normalement vous pouvez les activer dans le mode si besoin, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc le force feedback est vraiment très bon. La gestion des dégâts est encore un petit peu hasardeuse. Ça fait partie des choses qui sont encore travaillées par les développeurs. Notamment également les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas. Donc les essuie-glaces ne sont pas affichés sur la vue cam première personne. Donc ça aussi ça va être modifié dans les prochaines mises à jour. En tout cas, un mode moi qui m'a fait donc prendre mon pied. Et je me suis battu portière contre portière ici à Kuala Lumpur avec cette piste bien humide, et voilà, ça donne une fois de plus l'exemple de ce que doit être une simulation, c'est-à-dire une voiture difficile à piloter mais facile à comprendre, ce qui permet de s'en sortir. En tout cas, ce mode est vraiment bien réussi, bravo Endurecer. Donc ils avaient fait un mode Endurance Service Pack qui était vraiment avec plusieurs packs de GT et de Proto, qui était juste un des meilleurs, si ce n'est pour moi le meilleur mode Air Factor 1. Et là, ils ont du boulot avec un nouveau mode GT qui devrait bientôt sortir et continuer de travailler. Mais en tout cas, ce mode Porsche Flat 6 mérite vraiment votre attention et votre téléchargement. Il est un petit peu lourd, mais il en vaut le coup. Il y a plus de 50 livrés. Vous pouvez refaire pas mal de championnats. Et les championnats qui ne sont pas produits officiellement par Endurecer seront skinés par la communauté. Ne vous faites aucun souci de ce côté-là. Et vous allez voir vraiment cette voiture déraper, jongler. C'est vraiment fun parce que voilà, c'est vraiment... Alors là, on se fait pousser, on essaie de la rattraper, on passe à la dérive, les pneus s'usent. Enfin, c'est vraiment un des modes les plus fun sur Air Factor. Alors, je sais pas si en multijoueur, ce sera beaucoup joué comme mode. Mais en tout cas, en version face à l'IA... là vous avez une IA qui est, je pense, à 98 ou à 102, je ne sais plus, je pense qu'elle est à 80... Non, elle est à 102 parce qu'elle galère avec certaines difficultés, on arrive à prendre l'avantage, donc ce qui fait qu'elle paraît un petit peu moindre, mais on est à 102 je crois en difficulté de l'IA. Et voilà, avec un comportement juste excellent et une gestion complète du comportement de la voiture, c'est vraiment un mode excellent. On va vous laisser profiter de ce légendaire 6 cylindres qui, alors qu'on fait quelques petites fautes, évidemment c'est compliqué... Ce légendaire moteur 6 cylindres donc qui fait son retour dans Air Factor 2. On ira faire quelques escapades du côté voilà, de Laguna Seca avant la fin de cette vidéo. Profitez bien les amis,
Merci de votre attention et le mode est bien entendu disponible dans la description. Salut!